have to be in Paris in 19. Dernier coup de fil avant le début des négociations. Dans quelques minutes, des pourparlers commencent entre le président géorgien et l'opposition. À 30 ans, ce jeune Français est un des conseillers officieux du président géorgien. Depuis plus d'un mois, l'opposition bloque le centre-ville de la capitale géorgienne et réclame la démission de Mikhail Saakashvili. C'est la première fois que des négociations s'ouvrent pour tenter de débloquer la crise. Il a participé à la préparation des entretiens qui s'ouvrent avec l'opposition. Mikhail Saakashvili va maintenant tenter d'associer l'opposition à une réforme de la Constitution et du Code électoral. Il espère qu'en échange, l'opposition acceptera de lever les barrages qui bloquent Tbilissi. Il y a cette crise de l'opposition, il y a cette crise du radicalisme, en effet le mort des politiques de rue. Il cherche la sortie à ce moment-là. Je ne sais pas qu'il pense des choses comme ça. Pour qu'ils sortent, il faut qu'ils aient une porte de sortie. Et c'est pour ça que ces propositions, c'est bien. C'est que ça peut leur permettre de faire du face saving et de montrer qu'ils peuvent obtenir des choses. À mon avis, c'est un jour important. Après, je ne sais pas, eux, quelle sera leur stratégie. Ça, c'est... Tu vas voir. Ils vont peut-être claquer la porte, mais c'est vraiment rien de dramatique ou tragique, même s'il y a un échec aujourd'hui. Quoi. Ça, c'est possible. Peu d'espoir d'arriver à résoudre la crise en quelques heures. À leur arrivée, les responsables de l'opposition n'ont pas l'air plus optimistes et l'atmosphère est tendue. Les entretiens durent 2 heures et des éclats de voix parviennent aux conseillers qui patientent derrière la porte. Les négociations n'ont pas abouti. Mikhail Saakashvili et l'opposition n'ont pas trouvé de terrain d'accord. Mais le président se réjouit quand même d'avoir renoué le dialogue. Cette rencontre a eu le mérite d'avoir lieu. Qu'importe le contenu, je considère que c'est un jour de victoire pour la démocratie géorgienne. Raphaël Glucksmann parle d'un début prometteur vers une sortie de crise. Comme le président, il pense qu'il faut maintenir une politique de la porte ouverte aux opposants modérés, à ceux qui réalisent que Mikhail Saakashvili n'a pas l'intention de démissionner.